Salut tout le monde, c'est Diablo Maxus et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre Let's Play sur Far Cry Primal. Comme d'habitude, je pisse sur l'accent anglais. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, mais voilà, juste les premiers épisodes, voilà, histoire que vous compreniez que j'en ai rien à battre de l'accent anglais. Dès le début, il y a des bonhommes. Attends, ah non, c'est pas des bonhommes, ok. Wow. Wow, il y a une armée de loups là par contre. Ouais, on va se barrer, voilà. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai pas mal de petits... Ah, voilà. Bon, on va aller retrouver notre monsieur le psychopathe. Hein, peut-être que... Je sais pas. Par contre, on est poursuivi par des loups et ça, c'est pas trop trop cool. Regarde, regarde. Et vous êtes prêts? Le turn. Voilà. De 1. Là, on l'a effrayé, tu vois, le deuxième. Là il est apeuré, effrayé. Eh, ça, c'est un allié ou un ennemi? Ok, ami. Du poteau. Vas-y, attends, viens, on l'attaque, viens. Duche. Bleh. Ok, c'est bon. Alors aujourd'hui, donc on va. Je pense qu'on va apprivoiser d'autres animaux. Je vais voir s'il n'y a pas moyen. Parce que j'ai vu dans. J'ai vu parce que qu'on pouvait faire un village. Donc pourquoi pas. Eh, c'est un mec qui court là. Ah non, ok. Ah, il y a des mecs. Comment ça se passe? Ah merde, il y a des ennemis ici, ok. Ok, j'avais pas. Désolé les gars, j'avais pas compris. Désolé. Sincèrement, désolé, je suis. Pardon. Pardon. Diche. Bon, faut que j'arrête de dire des... Ah, ah mais putain, mais il y a un loup. Putain, hey mec, dès le début, j'ai même pas le temps de me mettre au calme. J'ai même pas le temps de... Poison. Ok, j'ai été mordu par une abeille ou un truc comme ça. Hey mec, j'ai même pas le temps de me mettre... De m'expliquer dans l'épisode, d'expliquer pourquoi... Pourquoi je ne sors pas... Pourquoi je ne respecte pas mes dates, tout simplement. Et puis tout de suite, là, on m'attaque, regarde. Ça c'est quoi le commando mec, ils sont combien? Et ils sont 56 dans leur commando wesh. Attends, est-ce qu'on peut... Non on peut pas du tout. Aïe. Eh hey, mais mec ils sont... Non mais il hey, y en a partout des ennemis. Et je peux plus me régénérer. Super. Voilà, là on va aller derrière la hyène. Ils sont combien? Ils sont 3. Ok c'est bon, on va aller dish lui déjà. Ta mère la putain d'huile d'olive. Fils de pute. Oh. Eh hey, je vous le jure les gars, si je meurs... Si je meurs, eh ben je meurs. Voilà, parce que j'ai pas d'excuses, j'ai rien à dire. Parce que sinon, je vais. Parce que je sais que je vais mourir, voilà. Attends, lui. Diche. Non, putain, on est mort. Ok, 5 minutes de jeu, même pas. On est mort, voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas sorti d'épisode, tout simplement. Alors, il y a deux raisons. C'est de une, parce que j'ai pas mal de devoirs et pas mal de contrôles en ce moment. Donc, c'est assez chaud. Je spawn où? Est-ce qu'on peut toujours aller chez notre ami Tensai, le chaman fou, hein? Voilà, c'est par là, d'accord. Donc en gros, je vous disais, c'est impossible pour moi de filmer. Et aussi, bah, c'est impossible pour moi parce que déjà, de une, à cause des cours. De deux, parce qu'en ce moment, j'étais pas trop trop bien, j'étais assez fatigué. Et de trois, fatigué. Ok, bref, j'étais fatigué. Et de trois, et ben, on a commencé à refaire ma chambre, donc là où je filmais avant. Donc là, comment dire? Je filme dans le salon, mais ça veut dire que je peux pas faire d'autres vidéos. Donc sur mon PC, je peux pas. Sur ma Play 4 que j'aurais redescendu en bas pour faire l'épisode 3 des jeux du mois, tu vois, je peux pas. Le maître des bêtes, trouver le chef des meutes et... Ah, oh, on va se faire un loup. On va apprivoiser un loup, les gars. Ça peut être sympa. Alors, du coup, ils nous disent d'utiliser la chouette. On va l'utiliser, hein. Alors c'est par là qu'il faut aller. Donc ouais, donc je vous dis, les vidéos ça va être pas mal difficile. En fait j'ai choisi le pire mois de l'année de cette année 2016. Ouais, non, 2016. Le pire mois de cette année 2016, je l'ai choisi pour faire un let's play sur Far Cry quoi. C'est pas très judicieux de ma part, mais bon c'est pas non plus très grave. Je vais essayer de faire un max d'épisodes en amont, donc en avance plutôt. Parce qu'en fait j'ai dit que j'allais le faire depuis à peu près je sais pas combien de temps. J'ai toujours dit que j'allais le faire, mais pourtant je l'ai jamais fait, donc faut vraiment que je le fasse là. Parce que si vous voulez, à chaque fois les épisodes sont séparés. Ok. Alors, excusez-moi si je parle pas trop, là je suis un peu en train de tryhard, hein. Je pense que vous avez remarqué. Sachant que je peux pas me soigner. Aïe. Ouais non, je peux pas me soigner. Ok, on en a eu deux.
Donc oui, donc tout à l'heure je vous parlais, je vous disais que j'ai entendu parler de village. Donc on peut faire apparemment un village. Ce serait une première dans Far Cry. Aïe. Ah putain, je prends tellement cher. Ce serait bien une première dans Far Cry, ce serait plutôt cool même de pouvoir faire un village. Donc dès que j'ai fini cette mission, on va aller voir s'il y a moyen de faire un village quelque part ou si je peux moi-même le construire à la main ou des trucs comme ça, ça pourrait être sympa. Alors L1 et on va faire des appâts. J'ai pas de viande. On n'a pas de viande. Comment je fais? Ah ok, il y a de la viande ici. J'ai pas assez de viande. Là il y a de la viande. Je voulais pas l'enflammer. Je vais encore foutre le feu partout. Et je me connais hein. Et par contre c'est pas cool ça si j'ai pas de viande. Ok. On a visiblement pas de viande. Oh toi viens là. Sniper de père en fils? Absolument pas. Alors attendez. Attendez. Ah, tire dans la tête. Voilà, qu'est-ce que je disais, sniper de père en fils. Hop. On va le dépecer. J'espère avoir de la viande qu'il faut pour faire. Oui, on a un appât. Alors, R3 pour utiliser votre vision de chasseur. Bah oui, je sais. Voilà, c'est ça la vision de chasseur. Donc bientôt en plus oui en plus je dis en plus je sais pas pourquoi je dis des mots comme ça. En fait il y a des mots qui sortent de ma bouche mais que j'ai même pas envie de dire. Donc en gros je voulais dire la semaine prochaine, enfin non pas la semaine prochaine mais la semaine d'après normalement je lancerai mon premier épisode du débat. Ok visiblement c'est lui là-bas qu'il faut aller enfin je pense hein, c'est le blanc Mister Blanco. Alors, comment on lance R1. Ok, c'est ça. Hop. Alors, on est déter. Voilà, on lance ça. Regarde, là, il est attiré par ça. Apprivoisé. Eh, pas bouger. Non, m'attaque pas. Wouh. Allez, les gars, on a un loup. J'espère que sur lui, on pourra peut-être voyager, je sais pas. Enfin, voyager. Loup blanc apprivoisé. Voilà, qu'est-ce que je disais. Loup blanc, tu vois, il est blanco. Allez. Commande des bêtes. Ouais, je sais. C'est comme ça. Et là, tu choisis ta bébête. Et moi, j'aimerais bien avoir un truc sur lequel je peux... Est-ce que... Attends. Ok, il s'est barré. Bon, on va aller visiter sa petite tanière. Peut-être qu'il veut nous faire visiter, je sais pas. Je vois pas trop le concept, mais bon. Voilà. Donc, du coup, visiblement, tuer les Oudam. Mais je sais pas vraiment ce que ça veut dire, Oudam. Faudrait que je cherche. Visiblement c'est le nom des méchants mais je sais pas voilà. Peut-être que ça a une signification particulière. Je sais pas. Alors R1, alors L2. Ok oui c'est la nuit donc les bonhommes sont plus agressifs, ça je sais. Ok toi, et là si je fais ça, normalement tac. Non toi là je te tire une flèche dessus. Ok donc normalement c'est ça. Ok donc visiblement c'est quoi, c'est ça. Non ça, non ça. Non ça. Non c'était pas ça. Merde. Peut-être que c'est ça. Tac. Oh terrible, il a pris feu. Eh mais moi je savais pas qu'on pouvait faire ça. Eh la dernière fois ça avait pas marché, ça je vous le dis. Alors maintenez L2 et appuyez sur R1 pour que votre animal ait une cible. Maîtrise des bêtes. Bon j'ai pas du tout maîtrisé ma bête mais c'est pas grave. Ça fait toujours du bien une petite mission. Voilà comme ça. Bon l'épisode là durera moins longtemps, ça fait. Voilà nouveau villageois. Alors je ne sais pas vraiment. On va regarder. Alors Tensai le chaman a rejoint votre village je crois. Déplacement rapide. Donc ça voilà vous connaissez tous les déplacements rapides je pense. Donc on va regarder la carte. Là il y a des missions. On va faire un déplacement rapide parce que c'est vraiment loin. Voilà. On profitera du paysage un autre jour. Peut-être l'épisode 4. Peut-être l'épisode 5. Et Maxus pourquoi t'es en position fétale? Eh mon chat il est devant moi, il est en mode position fétale. T'as l'impression qu'il est en train de se... Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il est vivant? Attends, on va faire la technique. Technique de la... Du gant, hein. C'est tu prends ton gant et tu le lances sur ton chat. Merde, désolé Maxus. Oh putain, comme il a sursauté les gars. Je suis désolé mon petit chat. Cache de récompense. Oh! Trop cool! Ah mais là je suis full du coup. Nourriture, de la viande. Eh mais les gars, c'est trop bien ça. Désolé mon chat, donc oui, il est vivant en fait mon chat. Tac. Eh ça c'est cool par contre la cache. Ok. Ça va négro? Absolument pas. Ok ah oui donc il y a vraiment un petit village installé. Tout ça.
Ils sont au calme en train de parler, tranquille. Est-ce que je peux prendre ça? Peau de chèvre, ok. C'est terrible ça s'il me génère des trucs. Un petit sac. Bon, en fait, je pense que les bonhommes, ils savent dire que Winja Winja Brashtar, voilà, un truc comme ça. Écoutez, on va aller voir notre ami collier d'oreilles. Hein. Saïla, Saïra, Paila, je sais plus. Oh, je sais même plus. Alors. Ah, je suis désolé si vous entendez le retour dans... Attendez. Désolé, j'ai le son sur ma télé, du coup j'y ai pas pensé, je suis désolé. Alors, visiblement, je dois lui construire une maison. Alors, Roseau, il me faut de l'ardoise, du bois d'aune et de la peau de cerf. Bon, on va aller prendre tout ça dans notre petite cachette, excusez-moi. Normalement, j'ai pas trop compris le principe, hein. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer mes trucs? Mais, j'avais caché des trucs dedans! Mais rendez-moi mes trucs! Oh putain, c'est des bâtards. En gros, ils m'ont carotte tous mes trucs. Ok, on va juste regarder ce qu'il lui faut. Alors, de l'ardoise, du bois d'aulne et de la peau de cerf. Des cerfs, par contre, je n'en ai pas croisé. Ah, il y a des petites maisons jusque là et tout. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais, non, ça aurait. Ils sont en train de faire quoi dans les maisons? Ah, ils sont en train de baiser ou quoi? Bon, c'est pas grave. Là, par contre, on a la petite muraille, hein, au calme. Normal. Et là, on quitte le village. Et voilà, ça, c'est moi qui ai designé tout ça. Hein. Normal. Donc. Ouais, voilà, en gros, bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Vous en saurez un petit peu plus dans les jeux du mois qui arrivent demain, normalement, si tout se passe bien. Par contre, j'aime pas la nuit parce que c'est stressant. Puis, en fait, il fait noir la nuit. Et ça, j'aime pas en fait quand il. Vous avez mal compris peut-être. J'aime bien quand il. Enfin bref, j'aime pas quand c'est sombre, voilà. Et par contre, je comprends pas trop le délire. Voilà, des roseaux ici. Donc niveau roseau, normalement, on est bon. Mais, moi j'ai une rivière près de chez moi. Et j'aime pas me baigner quand il fait nuit. Parce que c'est très bizarre. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Je vous raconte des trucs, je sais même pas pourquoi. Attends, il y a eu un bruit bizarre là par contre. C'était peut-être in-game. Ok, visiblement c'est in-game qu'il y a une espèce de flûtiste, violoniste, je sais pas. Enfin bref, il y a une musique bizarre in-game. Donc j'aimerais bien trouver du bois d'aulne, je sais pas comment on dit. Là-bas. Ok. Là-bas. Là. Du coup, maintenant, on va aller chercher de la peau de cerf. Hop. Est-ce qu'il y a des cerfs quelque part sur cette carte? Là. Non. C'est quoi ça? Ça, c'est des loups. Ok. Là. Non. Non. Là. C'est quoi ça? Dol. Ok, donc c'est pas des cerfs. Cerf? Non. Cerf? Non. Et... Je sais pas si c'est parce que je suis loin de ma télé, mais je vois tellement mal. Est-ce qu'on a des cerfs au moins? Cerf? Oui. Loup. Ok, donc visiblement, on n'a pas de cerf. On va aller explorer un petit peu par là. On va suivre la rivière, écoutez. On va mettre un marqueur. Aider les Winja, escorte. Ça, c'est une mission, donc on va pas vraiment le faire maintenant, parce que c'est une mission, tout simplement. Déjà, on va mettre un repère ici. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller là. Je pense qu'on va trouver des cerfs, parce que les cerfs, ils ont besoin d'eau, donc on va faire une téléportation rapide. Hein. Vous avez vu comment je suis un chasseur dans l'âme, moi? Les cerfs, ils ont besoin d'eau, du coup. Est-ce qu'il y a moyen d'enflammer mon truc ici? Enflammer le gourdin. Voilà. Vu que c'est la nuit, j'ai pas trop confiance, tu vois. Les petits champignons bleus, typiques de Far Cry, voilà, hein. Oh, le lever de soleil. Un lever de soleil, oui, ça se dit. Par contre, c'est vrai que c'est assez chiant quand même d'être lent. Regarde, slide, allez. Oui. Non, oui. Oui, je l'ai bien pris quand même.
Eh, mais t'as l'impression qu'il y a un meurtre en bas. Est-ce qu'il y a moyen de sauter ou pas, à ton avis? À votre avis? À votre humble avis? On va éviter de sauter. Hein, voilà. What? Ok. Alors, visiblement, il y a un truc bizarre ici. J'ai pas l'air de tout comprendre. J'ai pas l'impression de tout comprendre, tout simplement. On va prendre un petit peu d'ardoise, parce que bah, l'ardoise, ça peut toujours être utile pour fabriquer des petites maisons. Alors, votre sac ne peut... Ah, merde! Ok, bon, ben, notre sac ne peut presque... Allez! Bloup! Ah non, merde. Bloup! En fait, dites-moi en commentaire si vous avez eu de la neige, parce que j'ai pas regardé la météo, mais moi, lundi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de neige qui a disparu très, très, très vite. Salut, poteau! Allez, au final, on va quand même accepter la mission. Un point de compétence, ah merde, j'ai pas pensé aux compétences. Écoutez... Et pourquoi tu cours, mec? Ah, mais attendez. Je me trompe tout le temps de bouton, mais hop. Comme j'en ai plein, on va se faire des flèches. Comme ça, on pourra faire du combat, parce que je pense que... Alors, rejoignez le groupe Winja et parlez-leur. Ok, on doit aller parler à des Winja, tout simplement. Je pense que escort, on va devoir escorter quelqu'un, c'est la logique des mots. Donc ouais, donc j'espère que vous avez eu de la neige. Moi perso, j'ai eu de la neige, j'étais assez content parce qu'il y en avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le problème, c'est que bien sûr, en une journée, tout a disparu, voilà. Le matin, je suis parti de chez moi, il y avait les 10 cm de neige. Je suis rentré chez moi le soir, nada, rien d'auto. Il y avait rien. Strictement rien. Et franchement, j'avais le seum. Parce que genre, je suis rentré, tu vois, j'étais avec un homme qui se nomme Naxtek, voilà. C'est celui avec qui je ferai mes vidéos du débat. Enfin bref, j'étais avec mon ami et du coup on était dans le bus et tout. Puis on se dit tiens, pourquoi on ferait pas de la luge et tout, pourquoi on ferait pas de la trottinette des neiges, parce que j'avais comme projet de m'en construire une. Enfin bref, on avait pas mal de projets. Puis là on arrive, y a pas de neige. Eh, tu cours vers qui, mec? Ah non, lui c'est un allié. Ok. Ah ok, c'est juste un. Ok. Dégonflé, va. Et il s'est barré, il m'a abandonné, ce bâtard. Alors du coup on va avancer, hein. Je sais pas du tout vers où on va. Non, ok, on va par là. Non, ok, on va par là, je sais pas. Ah, c'est une embuscade. Je ne m'y attendais pas du tout. Wouh. Eh, par contre, vas-y, on va les dish. Tiens. Ok, on a deux flèches en bois. Trois flèches en bois. Eh, ils étaient bien chargés. On a de la viande, ok. Regarde, là, t'es prêt? Zbra. Ok, complètement pas du tout. Zbra. Oh, calme-toi, frère. Ah, j'ai vu aussi qu'il y avait une bêta multijoueur de Uncharted 4. Uncharted, on s'en bat les couilles de l'accent, voilà. Mais le problème, c'est que moi, j'y ai pas eu accès. Parce que moi, j'aurais volontiers fait une petite vidéo sympathique dessus. Mais bon, voilà, j'ai pas eu accès. Non, parce que sinon, franchement, je vous promets, j'aurais fait une vidéo, tu vois, parce que en plus je suis un grand fan de la saga, donc voilà. Ok, là il y a des ennemis. Eh, les mecs, ils ont pop, tu sais pas d'où, ils sortent. C'est mes amis, eux. Ah non, ils sont méchants, ok. Ok, putain, eh, je suis vraiment. Eh, vas-y, c'est bon, je vais aller les dish parce que je suis vraiment nul. Eh, tout le mec en un coup de poing, il t'enlève toute ta vie. Depuis quand? Eh, par contre, je vous jure, si je meurs maintenant, c'est un peu le seum. Je veux pas crever. Du coup, on va attendre, on va se régénérer encore un coup. On peut pas se régénérer encore un coup, c'est pas grave. Ok. Est-ce qu'on peut? Maintenant, on peut. Allez, c'est parfait. Eh, désolé si je parle pas trop, mais je suis un peu en train de tryhard. Enfin, je pense que vous avez remarqué. Ah, je me suis fait piquer par une abeille ou une guêpe ou je sais pas quoi. Merde, j'ai lancé un gourdin ou comment ça se passe? Ok, on est à peu près à l'abri. On a fait des flèches. On va leur niquer leur mère. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas dit bonjour, voilà. C'est tout pour moi, j'ai pas de punchline, je suis obligé de voler celle des gens. Voilà. Triple! Allez, Saki! Dish! Aïe! Oh putain! Eh, même moi j'ai été choqué par le cri que je viens de faire. On aurait dit une chienne. Enfin, un chien, enfin. Voilà quoi! C'est pas un cri normal! Putain, c'est genre Michael Jackson. Bon, du coup, j'espère qu'on sera bien récompensé. Bon, 100 XP, on s'en passe un peu.
100 XP, franchement, c'est pas ce qui va nous changer la vie. Toi, il faut te parler. Par contre, on va enlever le repère là-bas parce que ça me perturbe. Voilà, tout me perturbe comme d'habitude. Mais du coup, c'est tout. Attends, il est où le groupe? Parce que c'est pas que je comprends pas, mais je comprends pas quoi. Ok, donc moi je suis là. Là, il y a le groupe. Toi, t'es du groupe, non? Ok, donc visiblement il y a eu un bug. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je ne comprends pas. Hein, problème. Écoutez, je referai la mission là en off. Enfin, la mission. Ou alors je la referai pas, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y a moyen de l'abandonner? Abandonner quête, voilà. Hein? Eh mais non! Oh putain, ça se trouve, j'ai fait une merde, ça va me re-TP. Putain, je l'ai entendu à ma télé, mec. Ok. Bon bah écoutez les gars, je vais la refaire en off parce que je vais pas vous imposer de la refaire. On va mettre nos points dans des compétences. Et puis on se quittera au bord de ce magnifique ruisseau comme ça avec le soleil étincelant. Voilà. Non, c'est pas comme ça, c'est pavé numérique, voilà. Alors, compétences, nous avons actuellement 3 points de compétences, donc on va les mettre. Ou alors chez Madame Saïla, ou alors chez Monsieur le bonhomme qui est mort. Ou alors chez Monsieur le psychopathe, voilà. C'est simple. Alors ça, c'est appris. Ok, donc il y a des compétences qui sont débloquées, des compétences apprises, ok. Soins primitifs, maintenez pour récupérer une barre de santé. On va prendre ça déjà. Je pense qu'on va en mettre un dans chacun. Terrain révélé. Alors, révèle 5, plus 50 pieds sur le terrain. Oh putain. Ah ouais, c'est bancal quand même. Découverte des plantes. On va mettre les plantes parce que moi je préfère travailler comme ça. Bon, on peut rien mettre là, donc on va plutôt travailler ici. Enfin, travailler. Sprint guérisseur, ça veut dire qu'on peut se soigner. Santé améliorée. Attendez, une troisième barre de santé. Voilà, on a les 3 barres de santé. Normalement, ça apparaît ou pas sur notre écran. Bon, c'est pas grave ça. Attendez. Non, putain, je me trompe tout le temps. Je fais option au lieu de pavé tactile, pavé numérique, tu vois. Non, les plantes se voient pas sur ma mini-carte perso. Bon, ce n'est qu'un détail, hein, c'est pas grave. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, malgré un rythme complètement irrégulier d'une semaine d'intervalle, alors que normalement c'était un jour, enfin bref. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bah sur ce, je vous dis salut.